Yo les listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau deck. Alors c'est pas vraiment un nouveau deck, mais c'est un de mes nouveaux decks, on va dire. On va parler d'Exosister, Exosœur en français, je pense que ça doit être ça. C'est un deck qui existe depuis GRCR. D'ailleurs je suis très content parce que j'avais récupéré, et comme vous l'aviez vu en vidéo, je vous mets le lien d'un autre côté. J'avais ouvert des displays GRCR US, donc du coup j'ai une très grosse base Exosister en US. Donc le deck m'intéresse, je me suis intéressé un petit peu à ce que ça faisait. J'en ai discuté avec John, j'ai regardé des vidéos sur internet, notamment Solemn Squad qui a fait une super vidéo là-dessus. C'est des youtubeurs, enfin une équipe de jeux qui font des vidéos sur le contenu, etc. Et la vidéo était très cool. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir et aller vous abonner à leur contenu, c'est vraiment pas mal. Et donc je me suis intéressé à tout ça. Le deck en lui-même fait beaucoup de choses. C'est un deck qui ressemble pas trop à ce que j'ai l'habitude de jouer, parce que j'ai l'habitude de jouer des Eevee combo, mais le seul deck qui semble être Eevee combo, ou du moins très combo, dans le prochain format, c'est Splite, et c'est un deck que j'apprécie vraiment pas du tout. Donc j'ai pas du tout envie de jouer Splite, tout simplement. Et peut-être que si un jour vous me voyez jouer Splite, c'est simplement parce que je veux gagner, tout simplement, pas que je m'amuse. Voilà, c'est quelque chose qui est déjà arrivé plusieurs fois pour moi dans le jeu, où tu joues un deck parce que tu sais qu'il gagne, mais que parce que quand tu vas à un tournoi et que tu payes ton passe, t'es souvent là pour gagner, t'es pas forcément là pour te faire rouler dessus, mais il y a peu de chances que je passe un bon moment si je joue avec. Exosister semble être un bon compromis, et on va tâcher dans cette vidéo d'essayer d'aborder plusieurs points. Je me suis préparé un petit bloc-notes, donc j'ai mis présentation du deck, grosso modo ce que ça fait, présentation des cartes et des effets communs, puisqu'il y a beaucoup d'Exosister, que ce soit dans l'extra deck ou dans le main deck, qui ont des effets communs, ce que ça apporte, notamment Martha et Litania, ce que c'est les cartes qui sortent dans Pot, et du coup ce que ça apporte tout simplement à leur sortie, que Pot apporte. C'est marrant. Bref, un petit peu du deck build. Alors j'ai un deck build qui semble peut-être un peu particulier, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir que sur les groupes Facebook, enfin sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui sont liés au deck building, et ma liste semble être assez classique. En tout cas, j'essaierai de vous en parler, de vous expliquer pourquoi telle ou telle carte, sachant qu'elle risque probablement de changer, mais c'était simplement pour vous donner une base aujourd'hui. Les combos de base avec le Turbo Michaelis, puis Magnifica pour refaire Michaelis et éventuellement bannir 4 pendant le tour d'adversaire, et quelques tests de main pour vous montrer que le deck est vraiment stable et que on a 20 free spots, donc c'est quand même pas négligeable. On parlera également un petit peu du budget, et j'essaierai de faire une conclusion globale sur tout ça, sur ce que j'en pense, ce que le deck peut faire, risque de faire, que ce soit le format juste après Pot ou le format juste après le support Terra Element, puisque du coup on a des cartes qui sont littéralement un enfer pour Terra Element, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vrai que je m'aventure un petit peu sur un sujet qui est un peu plus compétitif, qui n'est pas forcément là où je suis le plus confortable, mais j'avais envie d'en parler avec vous. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, c'est parti pour cette vidéo. Alors du coup, on se retrouve sur Dueling Book. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler rapidement du deck en lui-même. Donc Malpha et donc qui s'appelle du coup Martha et Litania, ce sont le support, donc on fera un point juste après là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup Elise, c'est celle qui se spé de la main, et si tu as Stella sur le terrain, donc celle-ci, tu gagnes 800, donc ça c'est quand même assez intéressant. Le fait qu'elle se spé de la main, c'est intéressant parce que ça permet de turbo des Xyz. Tous les monstres sont level 4 magiciens, et l'extra deck, tout le monde est Xyz 4 guerrier. Donc on a Malpha qui va être la clé de tout ça. On a Elise qui est une target à Malpha, puisque du coup quand certaines cartes se spé, que ça soit avec Vadis ou que ça soit avec l'effet de Malpha, eh bien elles vont par paire en fait, tout simplement. On a Sophia qui est intéressant. Alors elle, on doit la normal summon, mais si tu as un autre Exosister sur le terrain, tu peux piocher un. Donc en soi, c'est pas dégueu, sachant que aussi bien les monstres que les magies pièges, on peut aller les tutos extrêmement facilement. Stella, c'est une normal summon également, mais tu peux payer 800. Alors dans ce deck-là, tu vas souvent gagner 800 ou perdre 800. Au time, il faudra vraiment faire attention au niveau des plays, parce que si ton adversaire est un peu malhonnête, il va vraiment essayer de juste te laisser payer 800 et pass turn et attendre, ou mine, et en se disant 8 tours de suite que de toute façon t'as payé 800 et il a gagné. Bref, Stella du coup c'est normal summon, mais qui dit que tu peux payer 800 et spé un autre Exosister depuis la main. Ça en vrai c'est plutôt cool, parce qu'encore une fois, comme Elise, eh ben, ça permet de turbo un Xyz sur le terrain. Sachant que Elise c'est cool parce que tu peux norm Elise, spé Elise, c'est-à-dire si t'en as deux en main, c'est pas une brique. Irène c'est en fait tout simplement la target à Sophia, parce que Sophia dit que voilà, elle la liste, comme je vous disais, ça va souvent de pair. Irène c'est la seule qui seule fait pas grand chose. Elle dit que tu peux placer une carte Exosister de ta main au-dessus du deck et piocher un, oui, en dessous du deck, pardon.
Mais en soi, c'est pas souvent ce que tu as envie de faire. Tu t'en sers. Alors, pourquoi pas dans certaines situations, dans un monde où tu as deux briques, j'en sais rien. Mais bof, en tout cas. Au niveau des free spots, on en reparlera juste après. On a Pax qui dit que tu peux payer 800 et aller tuto n'importe quel exorcisteur depuis ton deck, donc monstre exorcisteur. Et si l'autre monstre mentionné sur la carte que tu as tuto, donc par exemple, admettons que tu es Sophia sur le terrain et que tu fasses Pax pour aller chercher Irène, et bah, tu peux spé Irène de la main puisque l'autre était sur le terrain. Et ça marche également si Sophia est dans le cimetière. Hein. C'est ça qui est assez fort, c'est que c'est si l'autre monstre mentionné est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et encore une fois, c'est une tuto, mais qui peut rapidement se transformer en spé du deck. On a Armand que je ne joue x1, je jouais x2 pendant un bon moment, qui dit que tu peux payer 800 et en gros tu vas pouvoir utiliser un exorcisteur de ton terrain et invoquer un Ixyz par-dessus. Et cette carte-là ne peut être activée que pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est comme une piège, mais en magie rapide. Sachant que Pax est une magie rapide également. Donc ça veut dire que si tu as deux Pax en main, et ben tu peux la set. Et si tu t'arranges correctement avec tes cartes, tu vas pouvoir spé d'autres cartes pendant le tour d'adversaire et activer leurs effets communs qu'on n'a pas encore abordé. L'effet commun à tout le monde, c'est si ton adversaire bouge une carte depuis l'un des cimetières, hormis durant le damage step, tu peux utiliser n'importe quel exorcisteur et faire une Ixyz avec. Donc ça sera une Ixyz avec un seul matériel, mais toutes les Ixyz ont des effets qui proc à l'invocation, donc bah, c'est en fait super intéressant. Il y a des boards où tu fais juste, je sais pas moi, t'as vraiment une main nulle, mais t'as un Solemn, un Vadis et deux Entrap, bah, tu fais Norm et Lys, pass turn, et c'est pas dégueu comme board. On a Latiana, mais on y reviendra parce que c'est vraiment le support pote. J'essaierai de découper la vidéo en plusieurs parties. On a Vadis qui dit que tu payes 800 et tu choisis un exorcisteur ainsi que l'autre monstre listé dessus et tu les invoques tous les deux, mais donc tu les invoques tous les deux sur le terrain. Mais alors, ça peut être cool pendant les deux tours. Par contre, ils sont retournés dans le deck à la end phase. C'est cool et pas cool. C'est cool dans le sens où, bah, quel que soit le tour où tu la set, par exemple, tu peux en set 2 et au grind game, bah, tous les tours, tu spé 2 du deck. Et si tu les utilises pas ou si elles proc pas leurs effets, bah, j'en sais rien, elles retournent dans le deck. Donc tu perds pas ton CA, elles sont pas détruites comme peuvent l'être un gamma par exemple. Et encore une fois, comme on l'a vu juste avant, les effets bah, vont du coup pouvoir s'activer sur le terrain si l'adversaire bouge une quelconque carte du cimetière. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Le reste des cartes, c'est simplement des free spots. Alors actuellement, je joue 3 Blossom, 3 Ghost Ogre, 3 Shifter, un Call-by, un Fissure Dimensionnelle. Pourquoi Fissure Dimensionnelle? Parce que je joue Macrocosmos juste ici. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de notre cimetière. C'est-à-dire qu'on en a, c'est pas spécialement impactant pour nous. Oui, ça empêche les effets des Exorcisteurs, mais en fait, si t'as déjà ça, l'adversaire il est souvent bien plus emmerdé par le fait d'avoir pas de cimetière que toi par le fait de pas pouvoir faire des Ixyz parce qu'il bouge une carte du cimetière. Enfin bref. 3 Darkcrawler pour Go 2, 3 Solemn Strike pour Go 1. Sachant que Solemn Strike c'est un counter trap, c'est-à-dire que même si tu vas au grind, tu la set, tu gères un peu le board de l'adversaire. S'il veut remonter, mais toi t'as Solemn Strike, tu payes 1500, il a probablement pas de réponse à un counter trap et du coup tu gères complètement son attaque. Et en Go 1, contre par exemple les sprites, sprite ou sprite, je sais jamais, enfin je sais pas comment on va l'appeler au final, normalement c'est sprite le nom officiel. Tu go 1, tu sets ça, il fait sa normal diva ou peu importe. Tu le strike, bah souvent, s'il n'a pas le starter en main, bah c'est ciao, c'est game, enfin c'est game, c'est tour en tout cas, il va pas se turn et c'est réglé. Et 3 impairs, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 free spots, c'est vraiment pas dégueulasse. Au niveau de l'extra deck, on joue 2 Magnifica. Magnifica, c'est vraiment une très bonne carte. Elle coûte pas très cher actuellement, et en plus elle existe en Starlight, mais elle coûte pas très cher en ultra. Cette carte-là, elle dit que tu l'utilises en utilisant 2 Exorcisteurs X6-4. Cette carte peut attaquer une deuxième fois pendant chaque battle, elle a quand même 2008, donc ça permet de push des gros létals. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel en effet rapide et bannir un que ton adversaire contrôle, donc sans cibler, ça c'est vraiment super fort. Ça c'est que ton adversaire contrôle, donc c'est sur le terrain, vous verrez, on en reparlera lorsqu'on parlera de ces nouvelles cartes. Tu peux également, deuxième effet, en gros, elle va forcément équiper des Ixyz. Donc, admettons que tu as une Minka Elise et je sais pas moi, par exemple, une Guibrine. Et bien, tu fais effet Minifica, tu renvoies Minka Elise dans l'extra deck et tu respais Minka Elise sur Magnifica. Et on verra que ça a des intérêts d'interaction très cool, notamment parce que le fait que Magnifica, lorsqu'elle est spé, elle banne un. Alors, en ciblant, mais depuis le terrain ou le cimetière. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as Magnifica, par tour, juste avec Magnifica, si tu as évidemment équipé une Mikalis, mais
Vu que Mechalis va acheter plutôt une carte magie pièce Gloucester, c'est très probable. Eh bien, tu as déjà un bannissement de 2, plus le support dont on reparlera juste après. Guibrin permet de se spé en annulant un monstre face. Enfin, lorsqu'elle est spé, tu peux cibler un monstre à effet contrôlé par un adversaire, tu annules son effet. Azophiel dit que personne ne peut activer d'effet dans le cimetière ce tour-là. Et Caspitel dit que. Il n'y a pas d'effet. Caspidel, c'est vraiment le boss, notamment contre Terra Element, parce qu'elle dit que personne ne peut invoquer spécialement d'effet, ne peut invoquer spécialement de cartes depuis le cimetière. Je crois que je la confonds avec Azophiel, attendez. Non, Azophiel est plus forte, pardon. Azophiel est plus forte, mais Caspidel est plus utile parce qu'elle va chercher un monstre Exorcister depuis le deck. Mais c'est Azophiel, en fait, qui est vraiment un enfer contre tout ce qui utilise des effets par le cimetière. Parce que lorsqu'elle est spé, eh bien, tu peux simplement dire personne n'a d'effet dans le cimetière ce tour. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on a Magnifica qui va permettre de la respell le tour d'après. Donc ça veut dire qu'au minimum 2 tours de suite, tu tempo l'adversaire, il a pas de cimetière, tout simplement. Et Caspitel permet aussi les invocations spéciales du cimetière. Donc tu mets Caspitel par exemple contre un PK, il parle chinois, et en plus du coup tu la joues en plus d'exemplaires. Globalement c'est tout. Il y en a certaines qui font gagner l'attaque, etc. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le fait qu'elle tuto un monstre Exorcister depuis le deck lorsque tu détaches un matériel, et qu'elle va chercher une magie piège. On a le petit paquet Just 4 Matos, donc ça veut dire que tu fais par exemple Tam Alpha, tu spé 2, tu fais par-dessus le Omega Constellar, par-dessus tu fais Ptolémy, et par-dessus tu fais attaquer Ptolémy bien évidemment, et par-dessus tu fais Zeus. Donc du coup tu as les deux Matos de Malpha, enfin Malpha plus Irène, plus Hélice, pardon, plus Omega, plus Ptolémy, et du coup Zeus a donc du coup 4 Matos, donc va clean board 2 fois, et on a le petit package, alors j'appelle ça le package OTK, même si souvent Magnifica fait largement ça l'affaire pour OTK, enfin elle met pas 8000 d'un coup, mais déjà du 2008 x2 c'est pas mal. Tu vas spé random card, Magnifica Malpha x2, mais ça peut être Stella plus n'importe quel Exorcister, ça peut être Pax plus n'importe quoi, enfin bref, c'est pas un Pax, bon bref, vous avez compris, il faut juste deux monstres sur le terrain. Tu fais Lina Reborn, un light du cimetière adversaire. Avec, tu fais Selene. Selene va spé un magicien depuis le deck. C'est que des magiciens, tout va bien. Et derrière, tu fais Access, Target Selene. Donc, tu as que des monstres light. Donc, tu vas pouvoir casser qu'un seul avec Access Code. Mais il aura 5003, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau du side, bon, c'est un peu spicy. J'aime bien les jugements parce que je trouve qu'en Go 1, ça contrôle beaucoup l'adversaire. Oui, on perd des life points, mais si c'est perdre des life points pour annuler 2 plus bannir 4 tous les tours, l'adversaire généralement il n'a plus rien, et toi il suffit que 2 tours de suite tu fasses Magnifica, ou que tu fasses Magnifica et que tu arrives à côté à faire un Zeus par exemple, c'est quasiment sûr que tu as gagné. Donc voilà, on va parler maintenant de la deuxième partie, du coup c'est la partie où je vous parle de Malpha qui du coup est le support amené dans Pot, ainsi que Litania qui est également le nouveau support. Litania est vraiment très fort, mais Malpha également. En fait, c'est vraiment deux cartes qui sont légèrement plus fort que toutes les Exosisters, et ça apporte quelque chose d'incroyable, sachant que déjà Magnifica, quand elle est arrivée, apportait quelque chose de très costaud à Exosister. Donc Malpha, il dit que si tu contrôles aucun monstre ou tu contrôles que des monstres Xyz, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main et tu spé Hélice depuis ton deck, sachant qu'elle s'invoque en même temps, un peu comme Gamma. Tu ne peux pas invoquer de monstres hormis. Oui, je vous disais bêtise tout à l'heure sur Malpha SP2. Hormis des Exorcisters ce tour lorsque tu as fait l'effet de Malpha. Et si une carte est bougée du cimetière d'adversaire, tu peux invoquer spécialement un X6. Donc, ça, c'est le truc classique. Juste Malpha, elle toute seule. Tu n'as pas Norm, tu as déjà Magnifica, Minkaelis ou Caspitel ou une des autres, hein, bien évidemment, mais les autres sont un peu plus situationnels sur le terrain, donc c'est vraiment pas négligeable. Ça va être une secret rare, du coup ça a été annoncé. Je pense pas que ce soit une secret rare trop chère, peut-être 30 ou 40 euros, mais on sera pas sur du Prospérité ou encore sur du Baron, même si Baron n'est pas une secret. Donc très bonne carte, Spellcaster, etc. Donc là elle s'appelle Malpha, ça a été rename Martha. En TCG, bon, peu importe, et le Litania. Donc ça c'est un très bon extender pour le deck parce que ça permet d'avoir déjà une très bonne stabilité, puisque du coup techniquement avec Pax on a 6 copies de Malpha, et voilà, Pax c'est juste une copie de n'importe quelle carte du deck, et on a Litania, donc je ne joue que x2 contrairement à Vadis qui lui spé du deck, mais ça peut changer, encore une fois c'est une decklist un peu de test. Elle dit que, et ça c'est vraiment super fort, si tous les monstres que tu contrôles sont des Exorcisters, il faut que tu en aies minimum un, tu payes 800 life points, tu cibles une carte que ton adversaire contrôle ou du cimetière, tu la bannis. C'est réglé. Et ensuite, elle a deux effets que tu ne peux activer qu'un seul des deux, mais c'est quand même pas négligeable. Soit immédiatement après
Que cette carte soit résolue si tu as déjà invoqué pardon, si tu peux rank up une carte sur le terrain. Donc tu utilises un Exosister, une Ixyz Exosulter sur le terrain, et tu spé une autre Ixyz Exosulter sur le terrain. Ça, c'est pas dégueu du tout, parce que ça veut dire que tu vas pouvoir forcer des Michaelis ou forcer des Caspitel que tu n'auras pas fait trop d'avant, ou en fonction, si tu connais pas le board de l'adversaire, tu sais pas ce qu'il joue, tu vois qu'il joue des Reelement ou tu vois qu'il joue absolument avec son cimetière. Hop, tu rejoues Azophiel, effet Azophiel à l'invocation, personne n'a d'effet dans le cimetière ce tour-là. Hop, c'est réglé, c'est game. Enfin, c'est game, en tout cas, ça l'emmerde beaucoup, où faut qu'il l'annule pour pouvoir jouer, et donc du coup, ça veut dire que lui, il gaspille des ressources. Et deuxième effet, c'est que si tu as déjà invoqué un Ixyz ce tour-là, donc ça veut dire que tu as déjà rank up un Ixyz, ou tu as déjà fait Magnifica pendant le tour de l'adversaire, qui du coup, elle vient de se rank up sur une autre carte de la. Enfin bref, vous avez compris, eh bien, tu peux bannir une carte que ton adversaire contrôle, tout simplement. Donc, je rappelle. Magnifica, ban 1. Ban 1 sans cibler du terrain. Si tu le fais son effet, tu vas pouvoir respé Michaelis qui, elle, ban 1 carte que ton adversaire contrôle, mais du terrain ou du cimetière. Donc ban 1 terrain ou cimetière. La première cible, pas la deuxième cible. Et elle dit, du coup, si tu en as une, tu peux cibler une carte que ton adversaire contrôle, terrain ou cimetière, tu la bannes. Donc on est déjà à 2 bans cimetière ou 3 bans terrain. Et si tu as déjà rank up, c'est-à-dire que tu as déjà fait Michaelis, eh bien, du coup. Tu vas pouvoir bannir une carte que ton adversaire contrôle. Donc ça veut dire qu'on a deux bannissements terrain sans cibler, quatre bannissements terrain au total, ou deux bannissements terrain et deux bannissements cimetière. C'est juste très très fort. À ça, évidemment, tu rajoutes les strikes, les imperms, les ghost ogres, etc. Ou même simplement fissure, juste fissure des fois, bah, ça suffit à faire game, et franchement, c'est pas négligeable. On va maintenant passer à la partie combo de base et simplement test de main. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est quelques tests de main. Là, par exemple, c'est la première main qui m'a été générée. On a une Malfa qui va se P2, Vadis qui va se P2 pendant le tour d'adversaire, une imperm, un seul strike et une fissure. C'est pas dégueu du tout. On va se refaire quelques petites mains juste pour voir. Qu'est-ce que vous voulez dire? En Go 2, effectivement, on est d'accord, c'est pas fou. Mais en Go 1, tu sais, 2 Solem, tu vas chercher, avec Pax, tu vas chercher Malfa SP2, et ensuite tu fais normal Sophia pioche 1. Et bah, d'ailleurs, tiens, vous savez quoi? On va faire juste pour le combo de base, on va faire ça. Là, déjà, j'ai 2 Solem Strike, ce qui en soi emmerde beaucoup de decks. Ensuite, on va faire Pax. Tac. On va chercher Malfa. Enfin, Martha, du coup, faut que je m'habitue à ce nom-là. On va faire effet Martha, tac, elle se spé, et elle spé Elise du deck. Hop, on utilise les deux. On va pouvoir faire. Alors, soit on fait Michaelis, vu qu'on a les autres. En fait, vu qu'on a les autres monstres, on n'a pas forcément besoin de passer par d'abord Caspitel, mais souvent on passe par d'abord Caspitel, cherche Sophia, et plus un extender, ça fait 2x6, mais là, du coup, on n'aura pas besoin de passer par là. Donc là, on va pouvoir utiliser. Hop. Invoquer Michaelis, donc c'est-à-dire que là Michaelis tout de suite peut bannir un du terrain, mais souvent on n'en a pas besoin. On va pouvoir, c'est pour ça qu'on joue Michaelis x3 aussi. On va pouvoir détacher un matériel et aller chercher une magie piège. Donc là en l'occurrence on n'a rien. Souvent ce qu'on va vouloir faire quand tu sais que tu vas pouvoir faire Michaelis, c'est aller chercher Litania. On va pouvoir cette Litania. On va, ah mince, c'est Irène, je suis trop con. Je suis trop con, c'est Irène, c'est pas Elise. Bon, on va changer le. La hélice, tac, la Irène pour aller chercher une hélice, parce que du coup sinon le combo est pas bon. Je suis trop con, j'ai regardé le truc sans même voir correctement. Mais ça pourrait être, en vrai, vu qu'on n'a pas encore normal summon, ça peut être, tiens, on va prendre Stella. En vrai, on va prendre Stella. Du coup, là, on a trois trappes, tu vas pouvoir normal Stella, effet Stella, tu payes 800. Tu vas pouvoir spé Sophia, effet Sophia, alors faut que je les déclare, vas-y, flemme, tu pioches 1. On a Dark Cooler, c'est un peu tard pour avoir Dark Cooler, mais pourquoi pas. Là, du coup, tu vas pouvoir aller faire, bah, du coup, pourquoi pas la Caspitelle. Tac. Hop. Tu vas pouvoir enlever un matériel, aller chercher un monstre Exosister. Donc là, en fait, souvent, tu n'as pas besoin spécifiquement de monstre. Moi, j'aime bien reprendre Malfa, parce que ça veut dire que le tour d'après, tu as à nouveau un Extender. Et là, du coup, bah, on va enlever les matos parce qu'on n'en a pas besoin. Tac, tu fais. Hop. Tata Magnifica. Et là, on a le fameux setup avec. Bon, du coup, on a double strike, mais ça, du coup, techniquement, si je les remets dans ma main, on a du coup techniquement 4 en main. Ça peut être des entraps, ça peut être des traps, ça peut être ce que tu veux. On a le setup qui dit ben là, pendant le tour d'adversaire, tu vas pouvoir bannir un, puis faire effet, envoyer.
la Magnifica, donc la Michaelis, du coup, elle retourne dans le deck, tout extra deck. Puis pendant le tour adversaire, enfin dans le même effet en fait simplement, tu la respé sur la Magnifica, et donc elle va bannir un sur le terrain, et derrière tu as encore le Litania qui du coup va s'activer, va dire tu bannes un, puis vu que j'ai un 2x6, tu bannes un second, et encore une fois, on a encore 4 en main. J'espère que la partie combo était assez claire, il y a encore énormément de lignes de play qui sont envisageables évidemment, c'est un deck qui ressemble pas mal à SS sur certaines façons de penser, c'est vrai que ça sort complètement de ma zone de confort, mais j'avoue que j'apprécie pas mal le deck en lui-même. J'essaie d'être le plus clair possible, on va faire un dernier point qui est celui du budget, faut savoir que c'est assez compliqué de juger le budget là tout de suite, mais grosso modo, sachant qu'on sait que Litania est une super rare et que Malpha est une secret, on pourrait dire que éventuellement Malpha va coûter 30 euros pièce, on est à peu près à 90 euros. Derrière dans le deck, il n'y a que Sophia qui coûte 20 euros pièce, donc on est à 130. Derrière, on a les packs qui coûtent 20 euros pièce, donc on est à 100, 210 grosso modo. Et si tu comptes l'extra deck, on est à 20-20-20, donc tu es à peu près à 260, 280. Ici, on est à 5 euros pièce, donc ça veut dire que le corps même du deck, on est à peu près à 300 euros. Et bah, du coup, par-dessus, il faut que tu rajoutes bah, tous les staples, le Kolbaï, les haches, les Ghost Ogres, etc. Que tu rajoutes le package Omega qui a qu'un seul print, ça va peut-être faire monter son prix, je sais pas. Ptolémée et Zeus, et le package Access Code. Encore une fois, la decklist est pas du tout optimisée, enfin en tout cas si, selon moi elle est optimisée par rapport à ce que j'ai pu tester, mais elle n'est pas, elle n'a pas encore fait de résultat ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas ce que ça vaudra, ça risque probablement de s'améliorer dans le temps. C'est un deck qui peut jouer soit Prospérité, soit Desire. Prospérité, je ne suis pas fan dans le sens où Sophia te fait piocher 1, tu vas souvent chercher Sophia pour aller piocher 1, mais Desire, pourquoi pas. Maintenant, j'ai été souvent dans des situations où avec Desire, tu bannes des hélices, et tu te retrouves dans une situation où du coup tu peux plus faire Malpha parce que tu n'as plus d'hélices, donc à voir. Moi, j'ai choisi pour l'instant de jouer un deck où, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, tu as 5 cartes ou 6 si tu go 2. T'as rarement besoin d'un vrai moteur de pioche parce qu'au pire tu vas juste contrôler l'adversaire avec tes free spots. J'aime bien l'idée de jouer Darkcrawler main parce que ça permet vraiment t'arrives, tu fais Darkcrawler et ensuite tu fais ton board. Strike, ça peut être une entrap, ça peut être des Veiler, ce qui nous ferait 12 entrap, 15 entrap main deck. C'est pas dégueu. À voir. Moi j'aime bien Strike parce que go 1 ou go 2 c'est pas dégueu. Et j'aime bien les jugements ici parce que ça permet d'éviter de prendre des cartes un peu trop chiantes. Et encore une fois, quand tu go 1 à la troisième par exemple, que t'as, du coup t'enlèves les Darkcrawler, et en fait c'est souvent la place de Darkcrawler où je mets ça. Si l'adversaire, tu sais qu'il va faire que des fusions, donc tu peux enlever, typiquement, je sais pas moi, tu peux enlever ça, tu peux enlever ça, et tu rentres, ben, 3 barrières d'îme, 3 jugements, t'es quand même à un board qui peut ban 4, plus jugement, plus barrière d'îme, plus Solemn Strike, c'est quand même pas dégueulasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible, à la fois d'amener mon ressenti perso, et à la fois essayer d'expliquer un petit peu ce que moi je peux voir de tout ça, et ce que le deck fait en lui-même. J'ai essayé de faire quelque chose de complet, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'un deck à part, qui du coup lui est même pas encore 100% sorti. On verra bien ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le meilleur pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont vos idées de deck build, votre vision du jeu. Est-ce que vous joueriez 3 Litania et seulement 1 Vadis? Voilà, expliquez-moi. Je suis curieux de discuter avec vous dans les commentaires de tout ça. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc, bah, l'espace commentaire est là pour ça, tout simplement. Prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao!